Madame Ley, Mme Diara Faye, je suis le point focal du Comité national du Codex Alimentaris. On a voulu profiter de cette manifestation pour mieux sensibiliser les populations, rappeler les mesures simples en matière d'hygiène alimentaire, mais aussi rappeler l'événement qui va se tenir le 7. Et nous, comme le dit le slogan, la sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous. Nous comptons sur l'ensemble des acteurs pour ensemble mettre sur le marché des aliments sains. Nous savons que de là, les dangers peuvent provenir tout le long de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, comme on a l'habitude de le dire, et des défaillances qui sont constatées au niveau d'un maillon de la chaîne pour compromettre la sécurité de la chaîne. Donc chacun a un rôle à jouer, c'est pourquoi on dit que la sécurité sanitaire des aliments, c'est la plus importante. Donc nous lançons un message à l'ensemble des acteurs, les autorités étatiques, les autorités municipales, locales, etc., les consommateurs, les autorités en charge du secteur, les opérateurs, tous à se mobiliser pour ensemble produire des aliments sains. Il faut rappeler qu'il y a une étude de l'OMS qui a été réalisée en 2015 qui a établi le fardeau lié aux maladies d'origine alimentaire. Il a été établi que environ une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des maladies, des aliments malsains. Et on a vu aussi que ces maladies pourraient être évitées en appliquant des mesures simples, telles que les 5 traits de l'OMS. Donc nous avons profité de l'itinéraire du parcours pour mieux porter à l'attention des populations et aussi des autres acteurs des messages simples qui peuvent permettre d'éviter ces maladies. Ce sont 5 traits de l'OMS, prenez l'habitude de la propreté, utilisez des produits sûrs et de l'eau, faites bien cuire les aliments, séparez les aliments cuits des aliments cuits, maintenez les aliments à température, à bonne température. Et ensemble, si on applique toutes ces mesures, on pourrait éviter beaucoup de maladies liées à la consommation d'aliments. Donc là aussi, nous sommes accompagnés par des partenaires. On a parlé tout à l'heure de certaines initiatives. D'abord, je voudrais parler, profiter de l'occasion pour dire qu'on a mis en élaboré un plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'à chaque fois, on vous entendez, il y a des cas d'intoxication alimentaire, etc. Donc aujourd'hui, on a des procédures qui nous permettent de gérer de manière coordonnée ces urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. Et là, on le doit avec des partenaires tels que la FAO, peut-être qu'il va y revenir. Il y a d'autres initiatives telles que le marché santé. Et on doit croire qu'actuellement, dire que les marchés, qui sont des sources d'approvisionnement en aliments, peuvent être sains et peuvent contribuer à la sécurité alimentaire des aliments. Il suffit d'améliorer les conditions d'hygiène et c'est un projet marché santé actuellement qui est mis en œuvre au niveau de Dakar et nous espérons aussi bénéficier de cette manifestation, de cette journée pour mieux porter à l'endroit des autres acteurs aussi le concept marché santé pour sa organisation. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, il va y revenir, c'est l'alimentation de riz. Parce que vous savez aujourd'hui que la plupart des populations s'adonnent à l'alimentation de riz, les élèves, etc., la journée continue, etc. Donc il faut contribuer à l'assainissement aussi, à l'encadrement du secteur pour produire des aliments sains pour les populations. Donc c'est des initiatives qui vont être mises en œuvre tout le long de la journée. Et surtout les messages clés à l'endroit des acteurs pour les amener à mieux adopter des pratiques adaptées en matière de développement.